Coucou tout le monde. Donc là, vlog 2, c'est un vrai vlog que je vous fais là. Franchement, je viens de me réveiller. Eva dort toujours. Il est exactement 10h30. Donc je vous disais, on est trop fatigué. On avait prévu d'aller... D'aller au petit déj de l'hôtel, mais il est 10h30 et ça ferme à 11h, donc ça sert à rien d'aller là-bas pour avoir que 10-15 minutes de libre pour manger quoi. Donc on s'est dit qu'on irait demain, enfin on s'est dit, je me suis dit ça toute seule parce qu'elle dort. Elle dort pas, elle m'a parlé, donc c'est pour ça, hein. Sinon je l'aurais laissé dormir. Croyez pas, genre je m'en fous. Dis-leur que tu dors pas trop non plus. Non mais Eva. 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 Hein? Hein? Dis-leur que tu dors pas trop non plus. T'es morte ou quoi? Elle vient de me répondre là il y a 5 minutes. Non, t'es pas morte, j'espère. Je vais dire quoi vraiment? Hein? Eh? Ah! Fais pas genre, dis-leur que tu dors pas. La pire des sœurs, mais au moins je vous fais un vrai vlog de ce qu'on fait. Elle enlève ses chaussettes le matin, elle. Moi j'aime trop enlever mes chaussettes le soir, genre sinon j'arrive pas à dormir. Elle les enlève le matin. On se fait un câlin entre sœurs. Ma boue. Je vous montre Eva ce qu'elle fait quand elle se lève. Ok, allez-y. Donc là, elle se lève, elle se met. Oh non, j'ai oublié de vous filmer quand elle prenait son téléphone. Donc là, elle a attrapé son téléphone qui était là. Parce que c'est moi qui le mets à charger tout le temps parce qu'elle, elle oublie. Donc je suis la meilleure des sœurs. Et là, elle va plus parler pendant une heure. Elle va être sur son tel. T'as passé une bonne nuit? Très bien. Bah d'accord. Mais à gorge, c'est parce que t'as pas bu dans la nuit. Moi, je pense que c'est ça. On a loupé le petit déjeuner. Surtout que je me suis levée, moi. Il était 9h50. Mais tu t'es levée pour faire quoi? Pour qu'on y aille. D'accord. On se réveiller, quoi. Mais tu t'es rendormie. Bah, parce que j'ai vu que tu m'avais fait un câlin et tu t'es rendormie. Mais n'importe quoi, parce que je me suis dit, de toute façon, on s'était dit qu'on se levait à 10h. Et quand il était 10h, mon réveil a sonné et tu voulais plus te réveiller. Bah voilà. Du coup, on a loupé le petit déj. On fait quoi maintenant? On va manger. Sinon, on peut manger au bord d'une plage. Hein. Je sais pas s'ils font des petits déj à 11h. 10h50 en SES, c'est une merde ou quoi? Ça va, 10-50 à la moyenne au moins. Comment ça, j'ai eu un? T'as eu 1,75? Ah. Mon cœur, il a failli s'arrêter. Alors, attendez, je vous montre la vue qu'on a. Regardez la vue. Hop. Elle est là, la plus belle vue. Mais c'est très haut, hein. Ça fait peur, hein. Je vous cache pas.
Et là, on a grave du vis-à-vis, c'est-à-dire que les voisins nous voient, nous on voit les voisins. C'est pas. Voilà quoi. Sinon, on peut aller sur la plage Non, mais t'en peux plus de la plage, toi. Ben, normal. Il y a de la plage ici. Sinon, les restos. Putain, j'ai un petit trou là, j'ai une calvitie. Ah, moi, j'ose pas dehors. Hein. Mais oui, d'accord. Au soleil, il fait hyper chaud là. Je m'en fous, j'ai envie de manger au soleil. Sur les plages, on peut prendre le petit déj tranquille, je crois. Je sais pas, je vais regarder. Je vais discuter avec la princesse. La princesse Il de fait Cannes. trop genre. Je dirais, il fait trop genre. Hein? La princesse, tu dis jamais ça. J'ai dit la princesse. Ouais, la princesse, En tu mode, dis jamais ça. t'es la princesse, genre, Non, t'es la reine. tu dis jamais ça. Hein. Bah oui, parce que je vais pas dire ça à toi, je dis ça aux gens. Genre, je fais rien pour toi. Bah si, mais tu m'as jamais appelé. Je fais Mais tout je t'ai pour pas toi. dit. Mais normal, si je te parle à toi, je vais pas dire. Mais des fois, je te Les dis gars, la dans son reine. live, elle était hyper méchante avec moi. J'espère que vous avez les rediffusions. Wow. Désolée. Mais oui, bah, j'espère qu'ils ont les rediffusions parce que j'étais morte de rire. Non, t'étais méchante. Bon, guys, avec Eva, on a décidé du coup de sortir pour manger vite fait. Genre, pas grand-chose. On s'est maquillé très vite fait. Eva, elle est encore en train de se maquiller. Moi, j'ai fini. Je vous montre, je me suis habillée comme ça. Voilà, hop. Je trouve que le jean il est bien, mais regardez là. Là, ça fait un. Je sais pas si vous voyez, mais. Ça va. En vrai, le jean il taille bien. Il vient de chez. Je sais pas. Faut que je regarde derrière et je vous dirai. Voilà, petit débardeur et tout. Je pense que je vais quand même prendre une petite écharpe avec moi. Mes baskets, je pense, parce que j'ai la flemme de marcher en talon. Même si en talon, ça fait beaucoup plus beau gosse. Ça peut être plus joli, mais j'ai quand même la flemme. On va aller voir les baskets. Qu'est-ce que tu fais? Je ne mets pas de mascara. Tu fais pas de mascara? Non, j'ai pas envie. J'ai mal aux yeux. Ah. Bon bah voilà. Voilà ce qu'elle fait. Elle ne met pas de mascara parce qu'elle a mal aux yeux. Tu es prête? Ouais. Ok. Bah habille-toi et on y va. On rentre. On va laver les cheveux à Eva. Et on va les lisser. Quand je dis on, c'est parce que je vais l'aider à faire ça. Pas à se laver, mais à se lisser les cheveux. Et voilà, de toute façon, on vous reprend quand on sera dehors. Voilà, Eva, elle va s'habiller. Je sais pas comment elle va s'habiller. On galère tous les jours à comment on va s'habiller alors que bah, on a que trois tenues et on n'a pas le choix en fait. Mais bon, on galère quand même. Bon, guys, il est 11h30 et on y va déjà. Je pense qu'ils ne servent plus de petit On va déjeuner. déjà. Je voulais dire, on y va enfin, pardon. Là déjà, on va trop vite le petit déjeuner. Je pense que plus personne ne sert de petit déjeuner à cette heure-là. Mais au pire des cas, Bonjour. bonjour. Mais au pire des cas, on s'est dit quoi? On s'est dit qu'on allait faire quoi? On s'est dit, on va prendre un petit truc à la boulangerie au pire. On se posera dans un café. On se prendra un thé, un café, un jus d'oranger, tout. On va voir. De toute façon, vous vivez l'expérience avec nous. Elle est belle, ma soeur. Donc, on va voir s'il fait chaud ou pas trop. Mais parce que là, il y a eu un courant d'air. Et en fonction de ça. Ah, ça va. Ouais, non. C'est tranquille, ce carré. Donc, on reste comme ça. On va trouver une petite boulangerie. On sait pas trop quoi prendre. Sinon, je crois qu'ils partent pas, mon cher. Mais c'est le matin, hein. Enfin, c'est le matin pour nous. On vient de se poser. Hop, Eva, elle a pris un petit jus de pomme, Moi, j'allais c'est dire jus tout d'orange. pomme aujourd'hui. Hein. Grave. Un chausson aux pommes.
Moi j'ai pris un thé et un beignet aux pommes. Voilà, c'est tout pomme aujourd'hui. En plein soleil. Je sais pas si je suis. De quoi? Les bananes, c'est bien. Et il s'est passé un truc de fou. Genre, vous savez? Non, mais... C'est la drama queen. C'est vraiment une drama queen, ça. Genre, en gros, vous voyez, là, là. Il y a des gens à côté. Et en fait, la table, elle était vraiment collée avec celle des dames à côté. Donc moi, ça m'arrive et tout. Et moi, j'essaye de déplacer un peu la table. Respect pour elle, parce que voilà, enfin, genre, ça se fait pas de manger juste à côté des gens. Enfin, on était vraiment collés. Et je savais pas qu'on n'avait pas le droit de déplacer la table. Ouais. Et la dame, elle est arrivée. La dame de la boulangerie, elle a ramené les trucs. Elle m'a crié dessus, genre, elle m'a fait. Désolée, mais désolée en fait, on peut pas faire ça. Elle est pas méchante. Non, elle est pas méchante, mais elle criait, genre toute la rue, toute la rue a compris ce que j'avais fait, tu vois. Genre, on dirait que j'étais en train d'assassiner quelqu'un dans la rue, genre, faites pas ça, faites pas ça. Les gars, elle abuse à 3, 10 000. Jure, elle a pas crié, maman. Elle a pas gueulé comme si c'était, bah, c'est une gueule. Non, mais elle a crié. Non. Bah, elle a crié. Je crois qu'on veut imiter quelqu'un qui crie. Non, non, non. Bon, on mange et on groupe. Les gars, la vie de moi qui a besoin de tout. Rien que là, ce matin, elle était ta douche, on dirait de mettre un obstacle dans notre journée. Je sais ce qu'elle me racontait, wesh. J'étais à what the fuck, man. Putain, mais déjà, t'es énervé dès le matin, tu vas être énervé jusqu'au soir. Non, mais aussi, je suis pas énervée en fait, c'est juste un obstacle dans la journée. Voilà quoi. Moi, je l'ai saoulée, elle savait pas quoi faire avec ses cheveux. Alors que j'ai demandé, attends, en fait, tes cheveux, c'est un obstacle dans notre journée. Et après, j'ai dit. Ouais, mais après, elle me fait quoi? Après, elle me disait, non, vas-y, je me maquille pas. Après, elle me disait, vas-y, je me maquille. Non, après, non, je le disais pas justement. Je le disais pas justement. Et elle me disait, ouais, tu fais des trucs sans me le dire. Non, mais tu te dis des trucs dans ta tête sans me le dire. Non, tu veux même pas me le dire. Tu me mites avec cette voix de parce que t'étais vraiment, pas parce que t'étais vraiment comme ça le matin. J'étais là, mais arrête de me saouler. Vraiment, j'en pouvais plus, les amis. Et puis, elle prend sa petite caméra. Et vu qu'elle sait que quand elle prend la caméra, bah, du coup, ça nous. Comment on dit? Ça nous, genre, redevient sœur, là. On vient d'arriver à l'hôtel. Voilà, et Nadine, en fait, tout à l'heure, je lui ai dit qu'elle avait pas mis le truc en mode ouais, faut passer dans la chambre terminale. Je crois qu'ils l'ont pas fait. On va voir au pire, il prend cet après-midi qu'on sera là. Tu te laves les cheveux comme ça là? Ouais, je vais enlever mon haut juste. Ouais. Je vais l'aider, guys. Je vais essayer de filmer si je peux. En plus, j'étais de l'ouvrir hier, les gars! Découvrir, je dis à Eva, c'est pas un frigo ça? Et hier j'arrivais pas à l'ouvrir, alors qu'est-ce qu'on a? C'est quoi? Lit? Parce que j'arrive pas. Lit? Attends, j'arrive pas. Ah, je suis dans la merde. Il écrit quoi, les amis? Citron! En fait, ça, c'est cool. Nectar fraise! Il y a de l'évian, il y a de la badoit. Mais après, je pense que ça, plus tu consommes, les femmes de ménage, elles notent. Et tu dois. Néguine à manger. Ouais, mais tu dois payer à la fin. Donc, mange rien en fait. Oh non. Et oui. Un iced tea, wesh. Un Red Bull. Oui, ça, tu peux, genre. C'est des M&M's. Ouais. Ils ont mis des. Regarde. C'est quoi? C'est des. Tu sais, les trucs là. C'est pas comment ça s'appelle. Après, il y a de la Jacques Daniel et tout, wesh. Bah ouais, mais après, tu payes, genre. Mais après, si tu veux vraiment boire ou manger un truc, vas-y. Mais c'est grave tard pour les gens s'ils sonnent pas bien la nuit et tout. Ouais. Putain. Écoutez, on va bien laisser ça au frais, on ira voir plus tard. On ne calcule pas. Bref, qu'est-ce qui se passe, Negin? Bah en fait, j'ai ma... Ampoule. Qui, en fait, regardez, ça fait n'importe quoi. Hop, ça fait n'importe quoi. Laisse le coller. Non mais ça c'est, regarde, là, je peux pas laisser ça comme ça parce que ça c'est, bon bref. Ah putain, comme moi avec ma douleur. Ah. Donc on vous laisse et Oui, voilà. Et je vous reprendrai.
n'est plus la même personne. Je viens actuellement de me laver les cheveux pendant 10 ans parce que ça marchait pas et tout. Enfin bref, trop chiant. Je viens de finir de me laisser sécher, j'ai trop chaud, faut que j'aille m'habiller, j'ai trop chaud. Vraiment, c'est quoi ça? Est-ce que c'est des cheveux? C'est pas normal! Ça faisait trop longtemps que je les avais pas séchés comme ça. Bref, du coup, voilà, vous voyez la vérité. Et Megan, tout à l'heure, elle est là posée. Je sais pas ce qu'elle fout. Je sais pas. Elle est là avec son écharpe encore. C'est parce qu'elle veut. Bref, hein. Bisous. Et t'en peux plus de ton écharpe. Oui, j'aime bien. Je me sens comme une coiffeuse. Non, mais donc, madame, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse là? Allez. Vous me faites chier. Non, mais tu sais, lisse en vif, au pire, je bouclerai. Si c'est gonflé, parce que ça me saoule, si c'est gonflé, donc je bouclerai. Là, il faut que je... On a même pas dit le programme de la journée, Megan. Ah oui. Donc là. Elle me les... Putain, ils sont longs. Ouais. Donc là, elle me lisse les cheveux pour qu'ensuite, parce qu'elle veut trop faire des photos avec une robe, du coup, on va mettre des robes, on va aller faire des photos. Déjà, moi, je vais faire une photo avec une robe parce qu'il faut pas abuser, je vais la faire dans la chambre. Mais en fait, la chambre, elle est mal rangée. Tu veux que je la fasse où? On va ranger un côté, tu vois. Après. Ok, et après, on va manger dans un... Parce qu'en gros, quand on marchait à côté de la plage, là, Megan a voulu absolument marcher à côté de la plage. Et ben on a regardé les restos, les menus et tout. Du coup, on va aller à Stéphanie. C'est ça? À Beach, je sais pas quoi. Truc Stéphanie, voilà. De plage. Bah, elle s'appelle Stéphanie. Ouais. Et en gros, la resto s'appelle Stéphanie. Voilà. Et parce après. Que hier, on a mangé à l'annexe. Ouais, c'était beau. Pour ceux que ça intéresse. Et enfin, hier. Ouais, oui, hier, oui, c'était pour hier. Nous, mais pour vous. Ouais. Bah, dans le dernier vlog. Dans le premier vlog. Et après on va faire quoi, je me souviens plus. Bah après voilà. En fait là l'après-midi ça va être photo. Wow, ça me brûle. En vrai il va être 14h là bientôt. Donc ça va vite passer. Parce qu'on va manger vers 17h au max. Parce qu'il faut qu'on parte à 18h. Donc il faut manger même un petit peu avant. Ah oui, il faut qu'on parte à 18h, c'est vrai, faut le dire. 18h30. Voilà, parce qu'on va. On va à Nice. Ah, on va à Nice? Ah oui. C'est à Nice que c'est? Ouais. Bon, on va à Nice faire un escape game. Ouais, et ça, malheureusement, on pourra pas filmer. Ouais. On n'a pas le droit de filmer les escape games. Bah, logique. Donc, on pourra pas filmer, mais on vous racontera comment c'était. Bah, on va quand même vous prendre pour genre. Vous avez vu? Enfin, ouais, vous allez venir jusque là-bas avec nous, on vous laisse dans la voiture et après. Voilà. On vous récupère après. En tout cas, on fait des vrais vlogs. Je suis désolée, mais voilà, j'avais envie de le dire. En fait, j'ai passé toute la journée avec nous là. Après, je passe la journée avec d'autres. Carrément, ce matin, je me suis levée. La première chose que j'ai faite, c'est de filmer. Mais oui, t'es malade. Genre, qui fait ça? Elle m'a filmé là, putain, elle me réveille. Eh, demain matin, on a intérêt à se lever tôt. Hein. C'est dégueulasse. On a intérêt à se lever tôt, prendre le petit-déj à l'hôtel. Moi, je veux absolument voir le petit-déj à l'hôtel commencer. Ouais. Bon, on vous filme après. Hop, ok, ça y est, nous on vient de finir. Bon, bah, c'est pas... Bah, vu qu'ils sont gras dégueulasses, là... Bah, au moins, c'est pas gonflé. Ouais. Bon, guys, là, ça y est. Moi, j'ai mis une petite robe. Eva, elle avait mis une robe aussi. On a oublié de filmer. C'est pas grave, vous irez voir sur Insta. Ouais, vous irez voir sur son Insta. C'est une robe, elle est à moi normalement, la petite robe, mais elle est trop courte pour moi et tout, parce que, vas-y, moi j'ai des plus grosses cuisses que Eva et tout. Même si j'ai cassé mon jean. Ouais, genre, en fait moi ça remonte et ça fait, bref, elle tient plus sur moi. Donc c'est Eva qui l'a mise et elle a fait une photo, elle est trop belle. Là, c'est moi qui vais faire une photo. Et bah aussi, je vais essayer de la prendre en photo si c'est beau en bas. On va aller en bas de l'hôtel. On va pas vous prendre parce que déjà, faut qu'on soit assez discrète. Gênant, ouais. Déjà que c'est gênant, il faut qu'on soit assez discrète. En plus, si on arrive avec une perche et tout, les gens vont se dire d'accord, qu'est-ce qu'elles font. Donc voilà, on remonte. Bah là, on est allé dans un resto pour prendre l'apéro. Voilà. On est sur la plage, guys. Hein, regardez.
J'adore. Je me suis fait un chignon parce que j'en ai marre. Nous avons commandé quoi? Plateau de fromage avec un Virgin Mojito et impossible. Bon, les amis, ça c'est arrivé, mais on est un peu bouffé. On s'est un petit peu précipité. On a oublié de filmer, donc on a enlevé la peau. C'est pour ça que c'est comme ça, parce que nous on mange pas la peau. C'est moi je mange. Ouais, mais certains fromages, pas tous. C'est vivant quand même. Ensuite, voilà le Virgin Mojito. J'espère qu'il est bon, parce qu'ils le font pas bien partout. Et voilà. Voilà. Et il y a un petit plaid. Eva voulait le plaid, donc je vais lui passer. Ah non, c'est rentré dans le PC. Tiens. Il y en a deux ou un? Oh, mais c'est un gros plaid en tout cas. Comment elle le met? Non. Ah oui, quand même. Il fait un froid d'hiver ou quoi? Bah oui. Non, clairement pas. Soleil, toi, moi je peux au soleil, les villes. Mais t'as le dos au soleil. Hein. Ah oui, mais justement. À votre santé. Il a mal. Je vais goûter. Par contre, le... Attention. Tu as pété. J'ai dit, je vais goûter. Attention. On va sur deux pailles. C'est qui? Le Virgin Mojito, c'est super comme ça. C'est toujours comme ça, je veux dire. Et c'est super bon. Super, parfait. C'est incroyable. C'est super, super bon. Et c'est vrai que moi, je suis grave difficile dans les Virgin Mojito. Donc, si vous êtes de Cannes et que vous voulez boire un petit Virgin Mojito, je vous conseille le Miranda. Non, Mandala. Donc là, on est rentré à l'hôtel parce que on avait grave froid. Genre, il commençait à faire vraiment très froid. Donc, on va rester un petit peu. Après, on va bien s'habiller. Et on va ressortir. Acheter. J'étais même pas en train de bien filmer, pardon. On va ressortir, acheter quelques petits trucs à la pharmacie. Et qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce qu'il m'a raconté. Attention. Ouais. Le ménage a été fait, on est trop contents. Ouais, ils l'ont mis du bon côté. Ouais, ils l'ont mis du bon côté plutôt. Mais au moins le lit est fait et ça c'est vraiment vraiment bien. On a les petites pantoufles là. Chacune de notre côté. Donc je vous disais, on va se reposer un peu et après on va bien s'habiller, on va ressortir manger, on va manger à l'intérieur et on va on va chercher 2-3 petits trucs à la pharmacie, genre des pansements pour les ampoules. Quoi d'autre? Ouais, une brosse à dents pour Eva. Parce que là, ça fait un jour qu'elle s'est pas brossée les dents et elle va pas bien. Elle se brosse les dents avec ses doigts. Mais bon, ça. C'est vrai? Bah oui, c'est ce que je sais, j'ai vu. Oui, parce que je sais que tu crois que tu dis ça en mode mytho, mais c'est bon. Non, mais je sais, je t'ai vu faire ça. Donc, on fait des bisous et on se dit à tout de suite. Bon, guys, on a fait une petite sieste. Enfin, Eva a fait une petite sieste. Minutes. Surtout. Moi j'ai pas dormi, j'ai pas réussi à dormir, mais je me suis reposée. On a éteint toutes les lumières, on a fermé les rideaux et tout, donc il faisait noir, on s'est grave bien reposé. J'ai pas envie de mettre de bijoux, ça y est. Mais non, mais rien, on s'en fout. Donc je vous disais, on n'a pas encore mangé. Donc au final, je vous avais dit qu'on prenait l'apéro l'apéro. Vous avez capté, dans un petit restaurant et qu'on changeait pour aller à Stéphanie manger autre chose, enfin le repas. Mais du coup, on n'a pas fait ça parce qu'on a eu trop froid, on voulait juste rentrer en fait et on était crevés. Et au final, on n'est même pas sorti vers 17h pour manger. Enfin, on n'a rien fait, on n'est même pas allé à la pharmacie. Donc là, on a un petit peu de temps, je crois qu'il est... Il est quelle heure? Attendez, je réfléchis. Normalement, il doit être 18h10, un truc comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la pharmacie, chercher nos petits trucs. 18h04, voilà. On va aller chercher nos petits trucs à la pharmacie. On va... 47 fois. Ouais, et alors? On va... Donc là, on prend notre voiture et on va sur Nice à l'Escape Game après. Et Eva veut manger devant la télé ce soir. Donc on s'est dit, bah pourquoi pas prendre Jap, des sushis, tout ça, et manger ça ce soir devant la télé.
Merci pour la chasse d'eau. Donc on verra parce que on risque de rentrer quand même assez tard. Donc on verra ce qu'on fait. Parce que là, on a rendez-vous à 19h30 là-bas. Le truc dure 2 heures. Donc jusqu'à 21h30. Donc le temps qu'on rentre et tout, je sais pas si on pourra manger dans le lit ce soir. Parce que peut-être que tout sera fermé, etc. Le temps qu'on rentre, il sera 22h, 20, presque 23h même, si on traîne un peu. Donc 23h, je suis pas sûre qu'il y ait des restos ouverts. On n'est pas à Paris, hein. Si, c'est pareil. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Faudrait que je regarde. Ça se trouve, on peut regarder, on peut voir. On est en train de mettre nos chaussures. Elle, elle met ses petites hugs. Donc on vous laisse et on se retrouve tout à l'heure à Nice. On va pas snapper, enfin on va snapper n'importe quoi. On va pas vlogger dehors dans la voiture tout ça parce que bah il fait noir. Il fait actuellement noir. Attendez, je vous montre Et Twitter. quoi? Et il fait nuit, voilà. Vous avez vu, je suis en legging. Jogging. Donc ça ne sert à rien parce que vous verrez rien. Désolée, je parle trop. Bon, allez, à toutes. Bisous. Coucou les gars, il est 22h04, on vient de finir l'escape game. Franchement, c'était trop cool. Grave, mais je Franchement, suis on a tellement kiffé. On fatiguée. est grave fatigués. Là, on a commandé Uber Eats, c'est ça? Ouais. On prend Jap et il nous livre à l'hôtel. Et vu que l'escape game il était à Nice, ben on a 25 minutes de route à skip. Alors que je sais très bien que c'est plus. Parce que quand on est venu là tout à l'heure de Cannes jusqu'à Nice, c'était grave beaucoup. J'en ai une, on dirait les fermer. Je suis dégueulasse. Bref, en tout cas, c'était grave cool. On a kiffé. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je ne pense pas. Là, on a juste hyper faim et on est fatigué, genre vraiment. Ouais. Du coup, là, on fait des bisous. Et de toute façon, je vous refilme quand nous sommes arrivés à la chambre d'hôtel. Bisous. Voilà. Bisous. Des bisous. Bisous. On vient enfin enfin d'arriver. d'arriver. Vraiment, on se sent pas bien. Oh Vous my comprenez? god. On a donné La carte, la elle est où? voiture à la. Putain, mon sac est hyper. On a donné la voiture Au voiturier parce au que. voiturier parce qu'on avait trop la flemme de chercher une place. C'était pas possible. Il nous a sorti 50 balles La nuit. la nuit. On a dit, vas-y, tant En fait, pis. je t'explique. Attends, chut. Notre voiture, c'est une pierre. Oui. Et du coup, tu filmes pas bien. Et du coup, quand on l'a donné au mec détenu, il nous a dit vous êtes de l'hôtel. Ah ouais, en fait. On n'est pas obligé d'avoir une bulle Non, ici. il a pas dit que vous êtes de l'hôtel. Il a dit vous arrivez à l'hôtel où elle est déjà enregistrée la voiture. J'ai Je suis sûre qu'il a craigné. Tu sais qu'en vrai, c'est pas parce que t'as une Kia que t'es pauvre. J'ai juré, il y a des riches, ils ont plein de voitures. Et des fois, ils voyagent avec leur voiture la plus nulle. Mais après, bien sûr, oui, les Kia, ça Ils peut être ont des comme. problèmes. C'est pas comme une Bugatti, quoi. Non, Bref, ah oui, montre! C'est quoi? Est-ce que t'as dans la main? Ah, on a récupéré notre Jap. Je me sens pas bien, tu comprends? Moi aussi. T'as pris des boissons ou pas? Non, mais on va les prendre dedans. On en a déjà. Comme tu veux. Welcome. Welcome to my room. It's very beautiful. Ah oui, on est passé à la pharmacie aussi. Quand Negin allait passer. Bah, t'avais filmé? Non, t'avais pas filmé. Bah voilà, on est passé à la pharmacie. Donc voilà, on va se préparer et tout et on va manger. Moi j'ai pris ça. C'est quoi ça? Il y a tout ça. Sauce de soja, c'est salé ça. Donc voilà, ne faites pas attention à notre tête, hein, franchement. Donc on essaie d'ouvrir ça. Attends, j'ai peur que ça coule partout. T'as réussi? Ouais. Oh. C'est salé. Tiens, oui, je sais que c'est salé. Tiens. Merci. On va Attends, le mettre dessus. attends. Ah bah Moi on l'a j'en mis ai là. pas. Ouais. Mais wesh, pourquoi tu le bouges quand je mets la sauce? Elle est trop bizarre. Elle est trop bizarre cette fille. Vraiment. Oh non, c'est froid. Vas-y. Parce que je vous explique, le mec il est arrivé. Ça c'est quoi? Mais c'est salé aussi. Et moi? Bah, je te les donne après. Quel gosse. Uber. Toi, c'est ça, non? Sweet soy sauce. Le Uber il est arrivé avant Oh, les nous. bruits de bouche, désolé, les gars.
Il est arrivé avant nous, 15 minutes avant nous. Donc ce qui fait que... Ce qui fait que bah, il a donné ça à l'hôtel, à la réception. On ne pouvait plus là. Sinon, Escape Game, vraiment cool. Genre, c'était long un peu. En fait, on est arrivé, ils nous ont direct mis dans le... Ouais. Dans le mood. Ouais, dis le truc que c'était, comme ça, si les gens veulent y aller. En plus, vous allez croire que ça fait peur, mais je vous jure que ça ne fait pas peur. Ça s'appelle Nobody et c'est à Nice. Ouais, et en gros, dès que vous arrivez, ben, il n'y a pas quelqu'un qui vous accueille et tout. Vous devez direct trouver où faut aller. Vous êtes seul. Hein. Mais après, non, vous êtes seul avec vos potes. Hein, pas grave. Oui, oui. Parce que je veux dire, il n'y a pas d'accueil, il n'y a rien. Genre. Et franchement, c'était vraiment bien. Ouais, moi j'ai bien aimé. Il y a des moments où c'était long, genre ça fumait. Je ne trouvais pas avec tout ce qui s'est passé. Non, mais... genre, en fait, c'était tout long, t'étais comme ça, toi. Mais j'étais trop fatiguée. Mais en fait, des fois c'était long juste parce que. On ne pouvait pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'il t'aidait grave. Et en gros, il y a quelqu'un qui venait. Il t'aidait tout. En fait, il y a quelqu'un qui venait. Et il disait. Et y a une il fallait qu'il te cache et tout. Et il y a une fois qui disait allez vous cacher dans les toilettes. Allez vous cacher là. Et en fait, ils ont créé un appartement. Et ils l'ont emménagé en mode peur et tout. Enfin, pas peur, mais. Quand on est arrivé, on était à what the fuck. Et en fait, tout s'est relié. Genre, on avait des lampes torches pour regarder sur les murs. C'est cool. Voilà. Dites tous si vous avez déjà fait des escape games. Bon. On finit de manger. Ouais, on va finir de manger tranquillement. Ça va aller souder. Et on vous dit à toutes. Alors là, on a fini de manger. Ouais, mais moi je en mange encore. Il nous reste plus que deux maquis, genre. Et on s'est dit, on a envie d'un petit truc sucré. J'ai regardé. Du coup, j'ai regardé sur Uber Eats et j'ai trouvé. C'est toujours la thème. On va voir. J'ai trouvé ça. En gros, c'est une mini pizza avec plein de goûts différents. Genre, c'est toi qui choisis. Et tu peux choisir entre Oreo, Snickers, Malteser, Kinder Country ou Kinder Bueno. Nous déjà on a pris Oreo et Malteser. Ça va? Et on prend... Comment t'as fait pour Kinder boire. Country c'est bon aussi. Regardez, je suis en pyjama, hop. Je vais descendre parce que... C'est bien ça, ça va. On essaie de trouver un truc à la télé. La luminosité n'était pas du tout bonne. Ça permet de descendre et tout comme ça surtout. Attendez. Mais bon. Pas trop choix parce que j'ai la flemme de m'habiller et tout. Oh, cette tête que j'ai. On dirait une cow-boy. Oula, attends. Faut que je baisse un peu mon t-shirt. Parce que ça craint. Vu que c'est mon pyjama, genre, il est pas très épais. Ça craint, quoi. J'ai grave la flemme, je vous cache pas. Les amis, je viens de récupérer. Oh. Franchement, j'espère que c'est bon. Ça a pas l'air d'être incroyable, mais j'espère que c'est bon. Je suis vraiment descendue comme ça. Oh là là, c'est un petit peu la honte quand même. Livraison à domicile. Ta-da! Oh, c'est sublime. Ça fait ça. Donc là, c'est Kinder Country, Malteser, Oreo. On va goûter. Franchement, bon. Mais ça m'a gavé.
Ah, tu fais comme ça en fait. En fait, faut que tu prennes un plus gros bout. Comme ça. Oui. D'accord, je salue donc Emeric de ma part. Je salue Emeric. Ah, votre chérie s'appelle Emeric. Non, le chéri de Marion. Bien compris. Oh. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Tiens. Ça, j'aime pas. J'ai rien compris à cette histoire. Autour de vous, pour un petit lapsus. Très bien. Ok, Maltesers. Bah, c'est de la crème avec du Maltesers, quoi. On vous laisse. On vous dit au prochain vlog. Ouais. Demain normalement on va au spa. On pourra pas trop vlogger, enfin on verra. On fait des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bisous. T'es fait moche.